Et donc, salut tout le monde, c'est Explosif, j'espère que vous allez bien. Moi, ça se fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série même, une nouvelle série en compagnie de... Alors, désolé si c'est écran noir, en compagnie de Mini Totem, donc. Alors, on vous fait visiter notre base. Donc, déjà, on va juste prendre petit screen, premier étage. Voilà. Pas en screen, mais voilà quoi. Se mettre en F1. Ensuite, on ouvre les grandes portes. Et ici, on a. Alors, je sais pas si c'est. Ah oui, c'est mon PC. J'avais bien mal mis. Alors, on est en compagnie de Mini Totem pour une nouvelle Let's Play Survie. Alors, c'est un abonné qui m'a mis dans les commentaires ce que tu vas faire, un Let's Play Survie. Alors, oui, on fait un Let's Play Survie du coup. Donc, ici la nourriture, ici les épées, les items, etc. Et ici les armures. Ici les outils de déco, donc oui, ça, les sticks, vous allez me dire, ça va ailleurs. Prends mes steaks. Non. Non, et voilà. Ensuite, on va présenter cette salle-là. On va enfermer une totem. Donc, si je vous fais slash F map, on a claim. Voilà. Slash F power également. Donc, on est 10 sur 10. Ensuite ici c'est la poubelle, donc on a fait exprès bien sûr de faire des fautes d'orthographe pour ça, c'était rigolo. Donc ça c'est poubelle, mais ça veut pas dire qu'on va jeter. Ici c'est les minerais, donc on a beaucoup miné et la redstone en fait c'est ce qui est bien sorti. C'est vrai qu'on a beaucoup de lapis. Je rigole hein. Mito t'aime le thug. Faut pas faire le thug avec moi. Ici ensuite bloc. Vous le voyez là? Non, je suis sûr que vous voyez pas assez. Mini Totem, enlève ton casque. Pourquoi? Arrête de bouger, enlève ton casque. Pose pas de questions. C'est bon, j'enlève mon casque. T'es sérieux, mais pas celui-là. Mais non, mais celui dans le jeu. Ah. C'est le nouveau skin de Mini Totem. Voilà. Et sinon, du coup, Non, s'il te plaît, arrête. Remets les correctement. Et sinon, on a les blocs. D'accord. Non, remets. Et remets ton casque aussi. Ah, c'est sec. Voilà, donc on va visiter. Alors, on est sur Tamos. On va vous montrer un peu tout ce qu'on... Ah, ah oui, non, on va pas vous montrer les trucs minages, tout ça. Non, nous, on n'est pas comme ça. On ne pas les trucs qui sont pas intéressants, surtout quand on extrait, quand on PVP. Mais vu que nous sommes des youtubeurs assez gentils, nous allons vous mettre l'IP dans la description, bien sûr. Bien sûr. Explosif. T'es au home, là? Donc oui, donc je sais qu'il y en a qui aiment pas les let's play survie, moi j'aime pas forcément tout le temps regarder. Mais je me rappelle que quand j'étais plus petit, que j'avais même pas encore Minecraft, j'aimais bien regarder les let's play survie. Attends, juste, on s'en fout de ta vie en fait. C'est pas un zombie là-bas. Je rigole. Attends, un sneak. Ouais non, j'ai toujours pas que ce soit un zombie en fait. Je suis à 20 level, donc il y a des tables d'enchantes au middle. Donc... Ah, il y a un morceau de viande chair pétrifiée qui ne veut point tomber. C'est pas grave. C'est de la chair pétrifiée quoi. Pétrifiée, bah oui, bon, laissons le zombie comme ça, on va faire slash spawn. Et on va aller au spawn pour montrer. Alors, il y a pas mal de gens sur ce serveur. Alors, tout à l'heure, on est arrivé, il y avait que les deux bars. Hein, des bars. Voilà. Donc, il y a le kit du matin. Donc, le kit unique, je vous conseille pas de le prendre tout de suite. En fait, c'est un full diams P1 ou P2 avec une épée tranchante et tout ça. Enfin, bref, c'est le meilleur kit. Mais après, comme vous pourrez voir, vous pourrez le prendre que dans 30 années. Et je pense pas que vous ayez le temps pour prendre ça. Après, alors, il y a des systèmes de market. Alors, regardez, market mail. Donc, pour faire un market, vous faites slash market create avec l'objet que vous tenez dans la main. Et après, vous mettez son prix. Donc, si vous mettez, par exemple, CP à 1000 euros, vous faites 1 et vous mettez 3 euros, vous mettez un point. Attention, parce que sinon, ça va se vendre à juste 1000 centimes. Et après, vous mettez 4 euros, ok? Voilà, mais moi, j'ai pas envie de vendre mon épée. Alors, c'est cool, il y en a qui mettent de la TNT. Vraiment pas cher. La TNT, vraiment pas cher. Allô? Oui? Tu veux la TNT? Je vais dire ça, attends. Slash, money, money. Moi j'ai 1,1. Ah mec, attends, il y a un full le fer. Attends, faut que je le tue. Attends, tu veux pas prendre la TNT? C'est là, franchement, c'est un cadeau quoi. Ouais, attends, juste, je tue le full fer. C'est vraiment hyper cher. Par contre, moi j'ai mis des emeraudes plus hyper cher aussi. Emeraudes, mais en fait, c'est hyper rare. J'ai mis cher parce que. Ouais, on est niveau 4 grâce à qui, Bibi? 4? Ouais, grâce à moi, parce que j'ai une chance. Moi je suis niveau 4, moi je suis niveau 6. Donc, ici, vous avez les spawns. Donc, des mines d'eau. Alors, je tiens à préciser, c'est un petit bonus à monétiser. De toute façon, j'ai pas monétisé ma chaîne. Okay.
tu as soit un petit truc. Après, il y a des gens qui me proposent pour pas donc traquer. Voilà. Mais toi, j'ai 30 diamants, ah non, c'est toi. C'est moi. J'ai plus de diamants aussi, j'ai plus de diamants. Super bien, merci mille totems. Et après, bah, on peut très bien aller faire des random TP et tout ça. Je regarde juste à combien de... à combien elle en est la vidéo, mais voilà. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, c'est déjà la fin parce que c'est juste la présentation pour le moment. Et puis on va tourner à l'affilée, je pense, le deuxième épisode. Ou alors on va chercher une faction avec X-Ray. Non, je dis pas. On va chercher une faction et puis voilà. Bon, et bah salut tout le monde, c'est Explosif. Bye bye.